Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Yannick Vaugrenard, les textes d'application de cette disposition sont, comme vous le dites, en cours d'élaboration et pour ce faire, il s'appuie notamment sur les propositions remises par le professeur Bigard et notamment euh, l'élaboration d'un référentiel de compétences des professionnels encadrant la pratique d'activités physiques adaptées par les patients atteints de maladies chroniques. Concrètement, ces propositions ont pour point de départ un tableau des lésions fonctionnelles qui répartit les patients en quatre niveaux de limitation fonctionnelle, sévère, modérée, minime ou sans limitation, et s'associe à chacune des situations un euh, groupe de professionnels en fonction de leurs compétences pour, leur, pour prendre en charge ces personnes. Ces concertations avec l'ensemble des professionnels concernés sont encore en cours pour finaliser ces textes et la rédaction doit permettre d'atteindre plusieurs objectifs pour rendre accessible ce nouveau dispositif au plus grand nombre de patients en ALD. Il s'agit à la fois de permettre sa bonne appropriation par les médecins prescripteurs, de mobiliser tous les professionnels compétents et surtout assurer la sécurité des personnes. Par ailleurs, je tiens à rappeler que les professeurs de sport ne peuvent en aucun cas être recrutés sur des postes de masseurs-kinésithérapeutes dans les établissements de santé. Enfin, Monsieur le Sénateur, je tiens également à vous indiquer qu'une réflexion est en cours pour favoriser le recrutement des personnels de rééducation à l'hôpital et en particulier des masseurs-kinésithérapeutes dans les territoires où l'offre de soins présente un risque de fragilisation. Monsieur Yannick Van Grenard, vous souhaitez répondre à Madame la Ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vous remercie de, de votre réponse.